Vas-y, qu'est-ce qu'on fait là, frère? Vas-y, arrête de faire ta tête de grognon. Là, je t'ai ramené. Il y a une petite surprise. On va taper un foot avec quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, depuis le début du ramadan. Et en plus, regarde cette balle. Elle est pas stylée. Elle a quoi de particulier cette balle? Elle a un pouvoir magique, mais je veux pas m'en dire plus. Si vous voulez voir, amenez voir sur la foot familiale, vous verrez. Bon, la famille, on a amené Younes au stade déjà pour commencer. Regarde à qui derrière toi. Ramdan. J'ai pas envie d'apparaître dans la vidéo. T'as pas envie d'apparaître dans la vidéo? Ok. Tu sais quoi, on va faire un truc. Les abonnés vs Yacine. Si vous mettez la barre avec ce ballon, vous remportez ce ballon. C'est bon, les gars? Quoi? Vous voulez? C'était pas prévu ça. C'est un cadeau, ça fait plaisir. Une chance chacun, hein. C'est moi qui a payé le ballon, je crois, en plus. Hein. Vas-y, Stop, tu arrêtes d'avancer, gros. Non, j'ai pas envie. Je vais mettre plus loin, la barre ou le poteau. Quoi? La barre ou le poteau? Non, je fais la barre. Vas-y, hein. Caca, boudin! Ah yes! Yes! Il était presque. Non, il était pas presque, il était loin, frère. Alors. Ah ouais, gars, t'enlèves ton pull et tout. Le poteau, évite le poteau. On passe comme ça. Ah, tu t'aimes déconseiller de tout. Vas-y, quand tu veux, mec. Attention. Elle tourne. Yes. Yes. Vous avez voulu faire, mais c'est pas aujourd'hui. Yes. Faut faire. Ah, ça y est, le sourire il est revenu là. Ouh. Les gars, on a fini, on va laisser Ramdan, mais juste s'il y en a qui font des bêtises, ils écoutent pas leur maman. Ou j'apprends que vous faites des conneries, venez. Ramdan, dealer, on a acheté un camion, on va vous mettre dans le coffre. Ouvre le coffre. On vous met dans le coffre ici et croyez-moi, vous allez vous tenir à carreau. Et Ramdan, il connaît des dérapages et vous allez vous cogner. A few moments later. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Je peux pas parler trop fort, je suis désolé, parce que là il est tard le soir. On est dans le mois du ramadan, vous savez tous, et on va faire un prank, le retour des big pranks. Ça, vous avez kiffé de tout au long de la chaîne, donc on refait. Là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, la famille? Tu dors pas, toi? Mais non, tu me réveilles là, tu parles trop fort. Ah, désolé. Je vais faire un prank à Younes, tu vas faire avec moi. Ok. Enfin, c'est toi, tu vas faire avec moi. Donc la famille, qu'est-ce qu'on va faire à Younes? Il est quelle heure là? Je sais pas. On va lui prendre son téléphone. Et on va faire croire que là, l'heure de manger, elle est finie, elle est passée. Parce que là, le pire truc qui puisse arriver à Younes... Oui, mais attends, le pire truc qui puisse arriver à Younes, c'est qu'il ne se lève pas pour manger à 6h du matin. Donc on va faire ça. Première étape, il va falloir lui prendre son téléphone, changer l'heure. Et tu m'as dit, là, ça montre. Ouais. Bon, on essaie aussi avec sa montre. Et après, on verra. C'est parti. On met 5h55. Ouais, vas-y. Ok, c'est parfait. On va lui reposer son téléphone, on va commencer, ok? Ok. Et s'il regarde sa montre? Bah tant pis, de toute façon, on peut pas lui enlever, ça marchera pas du coup. Pas sur les propos. Attends, par contre, avant de le réveiller, je vais faire un réveil jean de ce moment. Quoi? Attends, faut que j'aille reposer le téléphone. On va prendre ça pour le réveiller. En gros, tu reposes le téléphone et tu prends ça pour le réveiller. Tu dis, Younes, il te reste que 5 minutes, dépêche-toi, ok? Ok. Tiens. Il reste 5 minutes, c'est l'heure de manger là. Dans 5 minutes, tu peux plus manger. Hein. Go. Regarde l'heure. Dans 5 minutes, tu peux plus manger. Tu t'es pas réveillé, gros. Oh putain. Oh, je suis dans la merde. Pousse-toi, dégage. Aïe, toi, pousse-toi. J'ai même un coup physique. Il est 5h58. C'est à quelle heure aujourd'hui? C'est à 6h dans 5 minutes. 5 mais minutes, si, tu peux plus. Pourquoi tu m'as pas réveillé? On m'avait pas réveillé, les gars. Ça se fait pas quoi? Et bah, avant que tu mettes. Et qu'est-ce que tu fais réveiller? Bah, moi, papa et maman, ils ont déjà terminé de manger. Et là, bah, faut que tu mettes pour ce puzzle. Parce que je travaille depuis je sais pas combien de jours. C'est pas mon problème, Miriam, laisse-moi tranquille. Non, mais viens. Quoi ton puzzle? Viens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la faire? Mais c'est pas l'heure de faire ça. Pourquoi tu veux faire ça? Bah, aide-moi. Bah, t'as juste à mettre celui-là, c'est vite fait. Tu mets celui-là.
Tac, ça, tu sais pas, tu regardes la couleur comme ça, après tu fais ça. Myriam, c'est pas le moment. Mais là, aide-moi, s'il te plaît, j'arrive pas. Oh là là, mais va dormir. Pourquoi tu dors pas? Ça, tu le mets comme ça et... Bon, bah, nice, c'est fini, hein. Tu peux plus manger. Comment ça? L'heure, il est 6h, c'est à 6h qu'on a plus le droit. Non. Mais pourquoi tu m'as dit de faire ton puzzle? Mais comment je vais faire maintenant, Yassine? Bah, tu t'es obligé d'attendre demain. Eh hey, bah attends, ça à 6h. Non. Ça à 6h, il est combien là? Ça compte pas aujourd'hui, hein, ça compte il pas. Il est combien? Ça à 6h. Il est 59. Bombarde. T'as quelques secondes, bombarde. De l'eau. Bombarde, frère. De l'eau. Mais pas de l'huile d'olive, de l'eau, bombarde. De l'eau, mais donnez-moi de l'eau. C'est l'eau de papa. Bombarde, il te reste quelques secondes, frérot. Il est 6h. J'ai pas bu. C'est fini, ça y est, il est 6h. J'ai pas bu. Mais je peux porter que ça maintenant. Ça y est, c'est fini. Il y a plus de joker. Ça commence le ramadan. Comment ça? Non, il y a une minute, non? Il y a pas une pause. Je sais pas. Pourquoi tu m'as dit de faire ton puzzle? Tu as renversé de l'eau par terre. Mets-le dans ta chaîne là-bas, il y a de l'eau. Pourquoi il y a marqué 3h30? Comment? C'est pas la bonne heure. Il y a marqué quoi? Attends, fais voir, écarte-toi. Écarte-toi, fais voir ta montre, il y a marqué quoi? Il y a marqué que c'est 3h30. C'est un prank. Comment ça? On a changé l'heure de ton téléphone, c'est un prank. C'est Myriam qui a eu l'idée. Non, je vais tout expliquer. C'est Myriam qui a eu l'idée. Attends. C'est Myriam qui a eu l'idée. Donc, attends, là vous êtes en train de me dire que j'ai le droit de manger et de boire. Oui. Ouais. Écoute. Ça m'a énervé. Arrête. Je commence à m'énerver, je vais te mettre en haut du frigo. Comme les moutons. Vas-y, on va manger. Je me refais plus jamais ça. Est-ce que tu m'entends? Sinon je me casse. Je rigole pas avec la bouffe, on peut rigoler avec tout mais pas la bouffe. Comment ça? J'ai eu peur de pas pouvoir manger ça. Qui c'est qui a... Ma télé elle s'allumait tout seul. Wesh. Qu'est-ce que... Pas dire moi. J'ai eu peur de pas pouvoir le manger. T'as eu peur. Ouf. Ouf. Oh là 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 là, mais les amis, si j'aurais dû attendre encore une journée pour moi ça, j'aurais pété un câble. Là, je vais faire un truc très bizarre, mais je suis obligé parce qu'en fait, moi, j'ai une maladie en moi, j'ai. Comme un démon, vite fait, je vais me parler, ok, me parlez pas, ok. Younes, t'as jeûné toute la journée, comme tout le monde, tu manges un gâteau et c'est tout, ok. Bon, allez, tout. Il veut pas. On va dire c'est pas grave. Tu manges pas tout, tu m'en laisses. Je te laisse le choix de ce que tu veux prendre. Alors, déjà, moi j'ai... Gâteau arabe, ça, c'est moi qui pain au raisin. Beignet au chocolat. Donc moi j'ai bien envie de goûter, j'ai envie de goûter de tout. Viens, on prend ça. On goûte de tout. On le découpe en deux. Ah oui. Mais toi, tu vas pas dormir là. Va dormir, mais vas-y. Non, je suis pas fatiguée, t'inquiète, demain je vais à l'école. C'est trop, ouais. Pour manger à cette place. Bon allez, passe, c'est moi qui commence à manger. Ça, c'est un cookie aux sneakers. Il y a du sneakers dedans. Oui, et directement, il se casse, le cookie, là. On va goûter. Waouh. C'est incroyable. C'est la première fois de toute ma vie que je mange ça. Moi aussi, c'est grave bon. Venez voir. Un truc de fou malade. Waouh. Un cookie. On va tester le spéculoos. Ça a l'air grave bon. Ça réveille le démon, moi. Spéculoos, il est comme ça. Regarde. Il y a de la crème à l'intérieur. Oh là 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 là. Il est incroyable. T'en veux pas, Tataji? Mais calme-toi, t'en veux pas. Et moi demain je fais le ramadan, Inch'Allah, je jeûne, donc toi tu vas pouvoir manger toute la journée. Vas-y, recommence à reposer. Commence à reposer ou je vais m'énerver. Ouais, mange comme un hobbit. Bon, moi je vais vous laisser là, vous me refaites plus jamais ça de votre vie. Il me reste encore du temps, ça va. On va manger ça tranquillement. Et à plus tard, Inch'Allah. On est très malade. Vas-y, il va dormir. Maman!